salut, quelques news. Après 4 jours de voyage, on vient d'arriver. Donc on est juste à côté de Malmö, en Suède. On est en face d'un magnifique lac à perte de vue. On est toujours en Suède. On a installé le spot ce soir avec la petite balançoire et les copains. Et qu'est-ce qu'on prépare? Pouah, qu'est-ce que c'est ça? Non mais j'y crois pas, papa, qu'est-ce que t'as préparé? Non mais toi t'es un... Pouah, la pizza. Allez, livraison à domicile. Qui c'est qui veut de la pizza? Bon allez, on se retrouve pour le spot du soir. Voilà, on est calé là-bas avec tous les copains. Et la vue. Des tables pour manger. Ils ont tout compris à la vie, ces Suédois. Partout où on va, c'est partout pareil. Une nature luxuriante et des espaces de vie ouverts à tout le monde. Allez, la partie la plus difficile après 2h30 de marche. On est dans le Rock Canyon. On vient de faire 2h30 de marche pour atterrir là. Mais maman, elle est à sec. Elle a plus d'énergie. Et moi non plus. Allez, on y est enfin arrivé. 3 heures de marche. C'est magique. Là, on se retrouve en pleine forêt. Et on va aller voir la cascade de Follen. Comme on a pas mal roulé sur les pistes là, avec le fourgon, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est vraiment kiss cool quoi. Regardez cette nature. Voilà ce que ça donne, une fourmilière ici, en pleine nature. Alors on arrive presque au bout là. On a bien marché. Et on arrive dans les gorges. Objectif atteint, la cascade. On voit qu'il y a une petite passerelle encore là-bas. On va aller faire le tour. C'est trop bon. Là derrière, on voit les montagnes avec la neige. Demain matin, s'il fait beau, ça va être vraiment tip top. Bon allez les garis, une fois de plus on est au top. Regardez l'espace qu'on a trouvé. On s'est fait un petit feu. Julien là-bas il cherche des branches. Tata il fait des châteaux de sable. Et on s'est préparé le petit four à pizza. Donc ce soir, c'est pizza suédoise. Bon allez, on a maman au fourneau là, qui nous prépare la seconde fournée. Les enfants y jouent tranquillou. Seconde fournée et première fournée sortie imminente. Attention, est-ce qu'elle est croustifondante? Regardez ça. Pouah! Alors là, c'est la fonte des glaces et c'est une des rivières les plus puissantes de Laponie, tout au nord de la Suède. Et le débit, il est vraiment impressionnant. Et voilà à quoi ça ressemble les vacances à Suède. Les enfants s'éclatent. Il pleut. Je sais pas si vous voyez, mais il fait un temps pourri. Mais on s'en fout. On s'en fout. Bien joué. Allez, aujourd'hui un petit direct live, boulettes de viande avec des pâtes. La petite famille est installée. Tata joue, Julia va mettre son petit fromage magique. Donc voilà l'espace de vie, l'espace repas.
dans lequel on évolue régulièrement. Donc c'est pas très grand, mais bon, ça le fait. On va pas plus l'ornicher. Par contre, ce qui est génial, aussi. Vous voyez, le spot est bien calé. Là, vous allez voir. Si la mise au point se fait. Et ouais, ça claque. Hein. Allez, David, celle-là, c'est une spéciale pour toi. Toi qui aimes le monde de la pêche, tu te régalerais ici. Donc voilà, les Lofoten le soir, ce matin il faisait super beau. Là, il y a maman qui donne à manger un peu à notre ami Tata. Et puis là, qui c'est qu'il y a? Jojo qui fait ses devoirs. T'en es où alors? C'est bien mon fils. Voilà, et puis petite vision du soir. Pas mal, hein? Bon, il pleut un petit peu, mais ça fait partie du trip, quoi. C'est aussi ça l'aventure. Allez, un petit direct live. Vas-y maman, on fait le test. Oh oui, magnifique tir, exceptionnel. Et là, elle va nous ramener un poisson. Vous allez voir. Allez maman, mouline, mouline. Allez. Alors on vous fait un petit live. On en a attrapé un gros là. Oh la pêche à papa quoi. Vas-y. Allez maman, fais voir. Pour la pièce maîtresse, regardez. Oh là là, on est vraiment des débutants quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un gros. Hein. T'as vu ça tata? Après la pêche miraculeuse, on va s'attaquer à la montée du glacier de Verstrand avec Juju le montagnard qui est là. C'est un pur montagnard, un vrai de vrai. Là, on a pris un Sherpa avec nous qui porte nos bagages. Allez, la petite vidéo du soir. Donc la route a été longue aujourd'hui, on a bien roulé parce que là dans le nord de la Norvège il pleut énormément. Du coup on a fait environ 6 heures de route pour redescendre un petit peu plus bas près des glaciers, et puis on s'est arrêté comme ça par hasard dans un petit spot, et en fait on n'est pas si mal, la météo est clémente, on va faire un petit repas tranquillou au bord de l'eau. Voilà, on est plutôt pas trop mal. Allez, on se retrouve demain pour la suite, pour le petit café, puisqu'on est dimanche normalement, si c'est bien ça. En fait, on n'arrive plus trop à compter les jours, là. C'est plus où on est. Salut les gars, alors aujourd'hui je suis avec l'équipe de grimpeurs. Il n'y a que des pros de la grimpe. Il y a Noah, dernier champion du monde. Juju, pro amateur skateboarding stop. Et Timoé, qui lui est un pur escaladeur. On est où les garçons là? Dans une grotte. Une magnifique grotte. Et on a monté. Comment elle s'appelle? De d'accord. Et on a monté tout ça. D'accord, tout ça. Là. Et là, on a un spot. Oh là là là, magnifique. On est dans un camping de là-bas. Donc là, il y a le pro de la grimpe qui est venu avec son gros sac à dos. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette grotte? Ouh, ça, c'est la grotte de Flatanger. C'est la grotte où il y a en ce moment la voie la plus dure du monde. D'accord. C'est un 9C. Voilà, c'est vraiment juste incroyable. La puissance de cette grotte là. Ouais, je vous fais pas de commentaires, hein. Je vous la livre en live comme ça. Hein. Regardez un petit peu la profondeur de cet espace de vie quoi. Pouah. Et ouais, la van life c'est ça aussi. Des matins pluvieux. Voilà. Là, ils ont prévu de la pluie un petit peu aujourd'hui. C'est des enfants qui jouent. C'est un petit peu de vaisselle.
Ah oui, quand même. Il y en a un petit peu beaucoup. Puis c'est une maman qui est super zen au réveil. Tiens maman, tu veux ton doudou? Ah, merci. Ton doudou. Hein? Puis voilà. De l'espace, de la joie, de la bonne humeur. C'est quoi ton Pokémon préféré? Pikachu. Eh oui. Bon allez, aujourd'hui encore une belle rencontre. On s'est posé là hier soir. Et qu'est-ce qu'on a rencontré? Un Italien, pro de la pêche. Il a plein de matos partout. Et du coup, maman, elle a sorti le matos. Matt, le moulinès. Elle moulinos, quoi. Regardez ce qu'il a attrapé ce matin. Pouah, les deux gros poissons. Hein, Juliane, mets-toi à côté, debout, pour voir. Allez, je crois que c'est la prise du jour. Vas-y, Julien, remonte. On a chopé un maquereau. Oh, eh oh. Allez, les champions. Allez. Ouais. Ah, il nous a tout appris, le papy pêcheur. Vraiment trop beau. Bouge pas. Ouais, un beau maquereau, je crois que c'est. Hein. Et voilà, un petit moment en famille avec Tata. Maman qui s'est mise à la pêche. Julien qui a fond la caisse. Et puis notre petit Tata, ça c'est des vraies vacances en famille. On est vraiment super haut, il y a un petit peu de vent. Mais ça va, il y a une belle... Et là il y a la grande vallée. Et sur la droite, il y a encore une cascade qui descend tout là-haut. Là, il y a la grosse remontée des nuages là. Tout à l'heure c'était dégagé. Et d'un coup, ça s'est mis à monter, on les voit, ils stagnent là. C'est assez impressionnant, quoi. Bon, là, on fait une petite pause là, parce qu'on a bien roulé. Cette route, elle paraît interminable. Franchement, ça s'arrête jamais. Donc là, on est arrivé tout en haut. On a qu'à la redescente, mais il y a un petit spectacle qui s'est offert à nous. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on s'arrête pour Julian, pour qu'il puisse aller poser ses petits pieds dans cette dernière plaque de neige. Là, ce matin, la nature nous offre encore un magnifique spectacle. Petite ceinture de nuages qui nous entoure. C'est assez grandiose, mais toujours aussi beau. On a eu une nuit assez pluvieuse, mais le réveil est toujours aussi magnifique. On s'est trouvé un petit spot au bord de la route, mais c'est assez sympa. Un petit camion là-bas. Après 15 minutes de voyage sur une eau plate et calme, dans un décor majestueux et grandiose, on arrive au spot. Il nous reste une quinzaine de kilomètres. C'est un tout petit spot, tout mini. Par contre, le cadre, lui, il est juste grandiose. Everybody please step behind the yellow line. Bon alors Juliane, qu'est-ce qu'on va voir là? Qu'est-ce que c'est? Une cascade. Bon les Gary, je sais qu'il fait super chaud en France. Et notamment à Montpellier, Bordeaux, tout ça. Donc je vous envoie un petit peu de fraîcheur. Ah, les cascades là, qu'est-ce que ça donne? Il y en a partout de toute façon ici. L'eau elle coule vraiment mais à profusion, c'est vrai. C'est juste impressionnant quoi. J'ai jamais vu autant d'eau de toute ma vie. Là, on vient de rencontrer l'un des prédateurs les plus féroces. Une limace noire, alias Black Limace, Macumba. La limace qui suce et qui trépasse. Allez, nouvelle journée, nouveau défi. Aujourd'hui, on s'attaque à nouveau à un glacier. Normalement, en temps normal, on devrait le voir. Mais en fait, il a reculé. À l'œil, je le vois, il est tout au fond dans l'angle. Mais d'habitude, les années précédentes, il tombait vraiment dans le lac qui est en face de nous.
Donc il a bien reculé d'une 200 ou 300 mètres. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne et dans quel état il est. Vas-y, allez. Continue la montée. De rocher en rocher. Petit passage et toujours autant d'eau. On continue d'approcher du sommet de la montagne. Sarah au taquet, mais Julien n'en peut plus. Il reste encore quelques centaines de mètres à parcourir. Objectif atteint, malheureusement. L'état du glacier est pas top. On voit la vitesse à laquelle ils font. C'est juste incroyable. Allez, ce soir, on se retrouve pour une soirée un peu spéciale. Comme d'hab, on a sorti le barbecue. Ce soir, c'est Julianne qui nous prépare ses pizzas. Donc là, qu'est-ce que tu as prévu, Julianne? J'ai prévu sauce tomate, jambon, chorizo et poivre. Un petit panoramique vite fait. Voilà, c'est plutôt pas mal. Oh, ce joli petit reflet qu'on voit sur l'eau là. C'est quand même cool. Hein. Voilà, on est bien. Hein. Et ce qui est extraordinaire, tu vois, c'est qu'en fait, on est au bord d'un village ou d'une ville. Il y a plein de maisons autour, tu vois. Des super baraques qui sont ici. Et puis, il n'y a personne qui te dit rien. Ouais, c'est cool quoi. C'est vraiment top d'avoir un fourgon, hein. Ça change la vie. Hein chérie? Après une belle randonnée, et là, aujourd'hui on est allé voir un glacier. C'était vraiment cool. Il faisait 3 heures de marche. Voilà. Le maximum c'était 5. Bon allez. Allez, changement de décor. On a quitté les montagnes pour rejoindre la côte. On est à Oslo. Donc c'est vraiment un changement de décor. C'est la grande capitale. On va aller visiter un petit musée de la marine. Oye, oye, capitaine! Allez, les moussaillons! Il y a quelqu'un qui est mort, il doit monter! On est parti pour une expédition! C'est trop bon! Allez, changement de décor! Fini les cailloux, fini les rochers, fini les bords de côte rocailleux, les grandes forêts, la végétation luxuriante, tout ce qui va avec. Là voilà, on est dans des dunes de sable à perte de vue. Donc vous l'aurez deviné, on est au Danemark. On a réussi à prendre le ferry ce matin, sans réservation, in extremis. Ah, Julianne est complètement déshydraté là. On a marché 3 heures dans les dunes. Il est épuisé, il est recouvert de sable. Mais ici les plages, c'est simplement elles sont hallucinantes parce qu'il y en a partout. Elles sont gigantesques. C'est des kilomètres et des kilomètres de plages qui n'en finissent pas. De quoi se balader, se promener et elles sont toutes vides. Il n'y a quasiment personne sur les plages. Et pourtant, il fait 19 degrés. Donc petite journée sous la pluie, mais qui ne va pas nous empêcher d'aller nous balader, de profiter de ce beau paysage qu'est le Danemark. Bonjour. Tu dis bonjour? Doucement, doucement. Elle va venir, ne cherche pas à la toucher, elle va venir vers toi. J'ai juste touché un peu. Donc là, on est au musée du Lego. C'est un immense bâtiment avec des trucs gigantesques. À peine arrivé, on a accès à un arbre qui est tout juste gigantesque. Il est fait entièrement à Lego. C'est juste incroyable.
Allez, changement de décor, on est en Suisse. Après une grosse nuit et plus de 1300 km, on a décidé de visiter les gorges de l'Eure. Calme, sérénité, plénitude. Waouh! C'est trop beau la nature. Dernier glacé aussi dans les Alpes, là. Il culmine presque à 3200 mètres d'altitude. Il y a un vent. Et franchement, c'est plutôt cool. Normalement, dans 5h30, on est à la maison. C'est nos derniers pas d'aventurier. Avant le retour à la maison. Bah, c'est trop difficile de reprendre la route et de rentrer à la maison. Mmh. On a encore trouvé un petit spot avec Tata. Un endroit trop magique. Regardez ça. En bord de route. C'était l'heure de faire le goûter. De faire une petite pause là. Oh, j'ai trop envie de rester ici. Je veux pas rentrer à la maison. Bon, on a décidé de prendre vraiment les petites routes pour rentrer. Et en fait, on a atterri dans les gorges du Méouge. Un endroit magnifique, dommage, il n'y a vraiment plus beaucoup d'eau. Alors quand je vous dis plus beaucoup... Allez, salut tout le monde. C'est juste pour vous dire qu'on était bien arrivé à la maison et qu'on a fait 6 heures de route. C'était vraiment hard. On voulait absolument rentrer ce soir. Et vous remercier de nous avoir suivis un petit peu sur les réseaux, de nous avoir accompagnés pendant ce road trip. Merci à tous ceux qui nous ont laissé des commentaires. Et on se retrouve pour le prochain road trip. Et il était temps parce que, je ne sais pas si vous voyez... Mais c'est la zone, c'est le bordel à la maison, on n'en peut plus. Donc on se retrouve très bientôt. La bise à toutes.